Il y a quoi là-bas? Des EasyJet. Bah, il me dit. Il y a deux avions. Non, mais on va là-bas là, il y a des EasyJet. Non, des EasyJet. Et bonjour! Enfin, le mois de juillet, là. Donc, toujours plus. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et si tout va bien, nous sommes aujourd'hui dimanche. Je vais vous montrer ma petite tenue du jour, vite fait. Alors, le foulard. À chaque fois que je le poste en story ou sur YouTube, on me pose la question. C'est un Hermès que j'ai eu pour mes 25 ans. Il est sublime. Est-ce que vous le voyez, le zèbre? Oui, il est beau, hein, il est magnifique. Dans les couleurs que j'adore, en plus, vous avez du feuillage et tout. Il est extraordinaire. Vraiment, il est extraordinaire. Je crois qu'il a un nom, ce petit. Il s'appelle Zebra, je crois. Attendez, là, parce que là, c'est marqué Hermès. Mais c'est le Zebra Pegasus, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. Bref, il est magnifique. Il est en cachemire et en soie. Et franchement, je le kiffe. Voilà, donc ça, nous avons un petit haut crochet en dessous de couleur beige qui vient de chez Almé Paris. Nous avons des petites boucles d'oreilles d'une boutique indépendante. J'ai trouvé une petite boutique indépendante pas très loin de ma prothésiste et tout. Et elle fait des petites merveilles au niveau des bijoux. Ça change un petit peu. Donc là, on est parti sur des petites fleurs de couleur dorée. Et en dessous, donc j'ai un jean et j'ai mes baskets. Alors c'est pas forcément top assorti, mais franchement quand tu marches beaucoup, voilà. J'ai pris mes mocassins genre Cézanne, mais non. Donc on va garder les baskets et puis peut-être que ce soir à l'hôtel, j'allais dire pas du tout, ce soir on sera dans notre lit. Ce soir à l'aéroport je changerai, je mettrai mes Cézanne, mais pour le moment je garde mes baskets toute la journée. Attendez, j'ai complètement... Oh, j'aime bien quand on voit un peu du zèbre quand même. Bon, voilà. Bref, allez, on est parti. On va déposer les gros sacs ici. Je ne parle pas de toi, mon amour. Il n'a même pas entendu. On va déposer les gros sacs dans un locker. C'est ça, hein? On appelle ça un locker. C'est un locker. En fait, on avait fait la même chose à Séville avec les filles. On ne peut pas les laisser à l'hôtel, voilà, parce qu'on n'est plus là ce soir, donc c'est pas possible. Donc, dans ces cas-là, on trouve un locker qui n'est pas très loin de la location du scooter. Donc là, il est juste à côté, en fait. Et l'idée, c'est que là, on va les déposer, comme ça, on est tranquille toute la journée. Et ce soir, quand on dépose, on rend la location du scooter, on récupère nos sacs et après, on file à l'aéroport. Voilà, on a regardé un petit peu, on a juste un transport à prendre de là où on a loué le scooter, donc c'est parfait. On en a pour combien de temps? Deux. Non, de OK Mobility jusqu'à l'aéroport, 40 minutes. Ouais, si tu veux, à peu près 40 minutes. Et sinon, hier soir, putain, on a fait une boulette samedi. On n'a pas regardé. D'habitude, on regarde toujours les avis sur Google et tout. Et en fait, dans les avis sur Google pour la location de scooter, tout le monde dit qu'il faut passer par Internet parce qu'en fait, en boutique, ils te rajoutent des options, des machins, surtout quand tu es touriste et que tu parles pas bien la France d'ici. C'est quoi ça? T'as reçu la même chose? Non. Non, j'ai reçu... C'est la location de vélo. Non, mais moi, j'avais tout laissé hier. Donc, ça doit mettre un push, non? C'est la location de vélo qu'on a fait pendant 2 jours. Sauf que si tu déverrouilles pas ton vélo, eh ben, Tintin. Ils te font payer. Non, mais c'est bon. Regarde, zéro. Non, je check. C'est bon. C'est bon? Non. T'as consommé 1 kg de CO2. Bon, bref, bon, allez, on est parti, on va déposer les sacs. J'ai bien dormi, moi, cette nuit, ça me fait du bien. Ça me fait du bien, et ce soir, on retrouve pas notre lit tout de suite. Donc là, on a encore une bonne journée, mais on va profiter. Hein? Oui, c'est parti, let's go. Alors,
C'est toi qui parles ou c'est moi? C'est toi. On démarre avec un latte macchiato ce matin et un chocolat, juste un chocolat chaud. Bon, il s'est transformé en chocolat chaud avec des montagnes. Bonheur, petit repas du matin. Petite assiette, on a pris comme hier une assiette sucrée et une salée. Bonheur, petit. Merci, allez. Il y a quoi là-bas? Des EasyJet. Bah, il me dit. Il y a deux avions. Non, mais on va là-bas là, il y a des EasyJet. Non, des EasyJet. Oui, des EasyJet. Mais c'est vrai que quand tu le dis vite, ça fait EasyJet. Et qui dit EasyJet dit. Des avions. Bon. Je sais pas. D'accord. Même moi, je savais pas. Ah, okay. Puis du coup, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Du coup, je me suis fait. Il fait nuit. Nous avons rendu le scooter. Sans mal. Non, pas de soucis, du tout. On a repris le train pour retourner à l'aéroport. Sans souci. Sans souci non plus. On avait pris de l'avance. Parce que, bon, on ne voulait pas. Non, on n'a pas bien fait. Il ne s'est rien passé. Non, il s'est rien. Ouais, roulait, juste donc, le parking de Saint-Rothier, les autres scooters. On a traversé le parking 10 fois pour trouver les bons endroits. On a galéré pour trouver l'emplacement des scooters alors que quand on rentrait dans le parking, c'était juste à droite. Et au moins, on a pris le temps de venir jusqu'ici sans pression. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est cool. Et donc là, on a notre porte d'embarquement, on va y aller. Et puis notre vol décolle dans une heure, donc on est bon. La sécurité, pas de problème, nickel. Hein? Yes. Voilà, donc aéroport de Barcelone, easy, jet. On est rentré à la maison. Il est minuit moins quart. On a atterri. Alors, notre vol a décollé
Normalement, on aurait dû décoller à 21h45, mais il est parti beaucoup plus... En fait, trop bizarre. Mais on a fait plusieurs tours de piste de Barcelone. C'était bizarre. C'était trop bizarre. Au bout d'un moment, il s'est complètement arrêté. Il n'y avait plus de ventilation et tout. On n'a pas trop compris. Mais bon, on a décollé, on a atterri. C'est le principal. Je viens d'aller faire un bisou aux filles. Elles dorment toutes les trois. Maman vient de partir. J'attends juste son message comme quoi elle est arrivée. Et puis après, on pourra aller se coucher. Là, on va monter le vlog. Et puis après, on va l'exporter à l'aéroport. Je vous ai filmé le dernier rush. Et en fait, juste après, Doudou est allé aux toilettes. Mais franchement, le monde est vraiment petit. Et donc, je l'attends devant les toilettes. Et j'entends dire « Hé, je crois que j'ai vu le mari de Bébert. » Et je me tourne. Et en fait, il y avait deux amis de lycée qui étaient là en même temps que nous, qui prenaient le même vol retour. Trop marrant, quoi. Donc, on a papoté, etc. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vus. Donc, voilà. Mais ouais, il fallait le faire, hein, pour tomber pile poil sur le vol. Enfin, bref, sur le même vol. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Sinon, on a acheté des petits trucs aux filles. En fait, on voulait absolument ramener un petit quelque chose. Alors, l'aéroport de Barcelone, il y a plein de boutiques assez sympas, dont Natura, que j'adore, j'adore, j'adore. J'ai pas mal de vêtements de chez eux. En fait, je crois que je m'achète une pièce à chaque fois que je vais en Espagne. Je crois qu'il n'y a pas en France, hein, Natura. Et donc, il y avait Natura. Et on a trouvé des petits trucs pour les filles, parce qu'on voulait marquer le coup et leur ramener quelque chose. Et vous le savez, depuis Séville, les filles adorent tout ce qui est flamenco, etc. Donc, on leur a trouvé des poupées avec la robe flamenco. Voilà. Donc, en fait, il y avait trois tailles. Donc, on a pris les trois tailles. Voilà. Donc, on a pris une grande, on a pris une moyenne, on a pris une petite. Et puis, voilà, elles vont être trop contentes. Et c'est les trois mêmes. Hein. Enfin, c'est juste la taille qui change. Voilà. Hop. Voilà. Et... la moyenne. Voilà, elles sont trop mignonnes. Avec la petite fleur dans les cheveux et tout. Voilà. Bon, vous voulez marquer le coup. On a ramené, bien entendu, notre magnet qu'on va mettre sur le frigo. Goji nous colle. Oui. Goji, elle a entendu la voiture et direct, elle est venue devant la porte. Ah, ma Goji. Ah oui, c'est maman qui nous a dit ça. Hop, allez, le petit magnet qui va rejoindre le frigo. Alors, hop, petit magnet, comme ceci, avec tous les... Famille Sagrada, puis le reste. Vous avez vu, il était bien parti, hein, pour dire... Oui, là, 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 là. Et en fait, non. On commence à en avoir pas mal quand même. Hein. En fait, à chaque voyage, bon, je vous le répète à chaque fois, hein, mais à chaque voyage, on en ramène un. Voilà. Voilà, voilà. Barcelone, c'est fait. Le prochain voyage qu'on fait comme ça avec My Little Trip, ça sera avec les filles. Voilà, parce que là, on était partis tous les deux, etc. Mais on aime bien quand même partir avec les filles. C'est vrai que ça leur fait voir d'autres choses. Hein. Ça leur fait, franchement, moi, j'aurais adoré pouvoir voyager comme ça avec mes parents. Après, nous, on était beaucoup. Hein. On était 6 enfants. Donc, je vous laisse imaginer, quand on partait en voyage, 6 enfants, prendre l'avion et tout, t'imagines? Déjà, tous les gosses, ils prenaient une rangée d'avions. Enfin, bref. Bon, allez. On va monter le vlog. Douche, pyjama et dodo. Et on est reparti pour une bonne semaine. Moi, il faut absolument que j'appelle mon chirurgien, mon médecin, parce que les résultats des prises de sang ne sont pas bonnes du tout. Donc, je vais m'en occuper là, cette semaine. J'ai réussi à caler un rendez-vous, mais le rendez-vous, il est dans... Je t'ai dit quoi? Dans un mois. Donc, ça fait un peu... disons que là, je suis en très, très grosse anémie. Et il ne faudrait pas que ça descende plus. Donc, il va falloir que j'appelle le chirurgien pour voir ce qu'il faut faire. Vous savez, en décembre, j'avais fait les cures là, en sous-cutanée, mais ça n'a rien fait. J'avais fait une prise de sang en octobre. Et la prise de sang là que j'ai fait il y a 5 jours, l'hémoglobine est encore plus basse qu'en octobre, alors que j'ai eu les perfs. Donc, il y a un petit souci quand même. Hein. Enfin bref, allez, on fait des bisous. On vous dit à demain. Et puis j'espère que vous avez kiffé ce week-end avec nous.
Aujourd'hui, il y a eu pas mal de rush pris avec le portable principalement. Toi, il faut que tu exportes tous les rushs, mon chat. Oui. Ça va, ma couchie? T'es déjà sur ton papa? Bah oui. T'as maigri, non? N'importe quoi. T'as maigri. T'as pas maigri, non? Bah alors, Manuel, t'as pas donné de croquettes? Bah, il y a plus de croquettes que je suis arrivée. On t'a tout bouffé. Bon, sinon, j'ai eu ma commande. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Attends, t'es... Je l'ouvre et je vous montre. Et sinon, j'ai reçu ma commande que j'avais passée. Je l'ai passée quand? Mercredi soir, je crois. Quand je vous en ai parlé dans le vlog. Oui, mercredi soir. Avec du thermocollant et du tissu Vichy. Donc, le noir et le rouge. Le rouge que j'ai déplié parce que je voulais voir la taille et tout. Donc là, au niveau du rouge, j'ai pris 2 mètres, je crois. Je vais en recommander. En fait, j'adore les tissus, vous le savez, mais moi, j'adore être dans un magasin, toucher, voir comment le tissu il se met, comment il se froisse, etc., etc. Et quand tu commandes du tissu sur internet, c'est toujours kit ou double. Donc là, j'en ai commandé des petits bouts, genre des petits bouts de 2 mètres quand même, pour être sûr. Et donc là, je vais recommander donc, du Vichy rouge pour pouvoir faire ma nappe pour aller sur la table à l'extérieur. Et le noir, par contre, je pense que j'en aurai assez. Je vais me faire un tablier et des torchons. Alors, le torchon, je ne suis pas forcément convaincue que ce soit le bon tissu, mais au moins pour le tablier, je vais faire avec le Vichy. Ça va être canon. Tu le vois, le tablier Vichy, là? Tu le vois? Oh là là, ça va être trop beau. Ça va être trop, trop beau. Bref, donc voilà, je suis trop contente. Trop, trop, trop contente. Enfin, voilà. Allez, je plie tout ça. Maintenant, je vous abandonne. Je vous fais des bisous. On va exporter le vlog, on va le faire. On s'était dit à l'aéroport, on va faire le vlog et tout. Pfff, que nenni, on n'a rien fait du tout. On est vraiment des feignants. À demain. Bisous.